Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Jules et on va à Europa Park. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions en Allemagne. C'est en Allemagne? En Allemagne, à Rust. Et nous on habite en Alsace, on habite juste à côté. Et c'est vraiment trop cool, genre on y va tous les ans. Et il y a des putains d'attractions que moi je ne fais pas parce que je suis ta bête. Pourquoi pas vous emmener dans cette journée. Les Parisiens, nos parcs Astérix, Disney, c'est nul, nul comparé à ça. Voilà. Le Voletarium, c'est un simulateur de vol. En gros, on est en rangée comme ça, le bac s'enlève en dessous et on a l'impression de voler. C'est juste magnifique. Je suis un peu dégoûtée parce que genre mon manège préféré, il est en travaux. Voilà, du coup j'attends Jules qui allait faire le cyberstar parce que moi j'ai un peu peur. Première fois que je le fais tout devant, en plus tout seul, et j'ai levé les mains dans la descente en entier. Jamais, je sais pas, je lève les mains dans la descente, je les lève après. Là, on a fait le bonheur. Moi j'étais là, genre les gens ils attendaient, et genre je compatissais avec eux en mode ouais. Là, on va faire l'Euromir, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. On va pas pouvoir filmer parce que c'est trop brusque. Depuis avant, Jules se bat pour enlever les champignons de sa pizza. Faire un gros truc de gamin, mais c'est trop beau. J'adore. J'ai jamais fait. Il y a une descente toute lente comme ça. We'll be right back.
T'es un enfant. T'es prêt, Jules? Je compte sur toi. Cool. Premier coup. Ouais. Bon les amis, on part d'Europa Park. C'était une très bonne journée. On s'est baladé, voilà, on a fait le manège. Et surtout, regardez, il y a notre nouvel enfant derrière. Il a sa ceinture et tout. Vous avez vu? C'est trop cool. Et du coup je me suis acheté une pomme d'amour. C'est mon péché mignon. J'adore ça, c'est toute ma vie. À chaque fois que je vais à Europa Park ou en fête foraine, j'en achète et je fais un stock. Parce que j'adore ça. J'espère que mon vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, je compte bien en faire un peu plus pour que vous soyez contents. Mettez un petit pouce bleu et je vous fais des bisous.